Tim. Ouais. Je crois qu'il y a un souci sur le mode terre de la prochaine vidéo. T'as miné Pécari. Ouais, et alors? Bah, c'est bien mieux le marteau Arthur. Oh, les jeunes, hein, de mon temps, on s'en sortait très bien sans ton Arthur, hein. Je vais te montrer. Bonjour à tous, c'est Tim Tobias et aujourd'hui dans cette vidéo je vais jouer un fake à terre avec une arme un petit peu spéciale étant donné que ce ne sera pas le marteau Arthur mais une épée Kari. Alors pour les vieux de la vieille, vous connaissez déjà cette épée étant donné qu'elle a été extrêmement utilisée à sa sortie. Elle tape beaucoup dans l'élément neutre mais surtout elle avait la capacité de pouvoir être forge magée pour taper dans tous les éléments. L'objectif dans cette vidéo ça va être de jouer cette épée et de voir si elle est vraiment dépassée par rapport à son remplaçant le marteau Arthur. Pour ce qui est du stuff, je joue un féka et j'en ai donc profité pour mettre un stuff qui n'a pas du tout de résistance, mais surtout pour jouer une version à l'ancienne avec une full panoplie de Bruce et une full panoplie de Mrs. Freeze. Allez, trêve de blabla, passons au combat, mais avant ça, je souhaitais vous dire qu'on a lancé une guilde sur Jaash, le nouveau serveur monocompte. C'est un serveur qui a moins d'un an et qui donc est super intéressant pour reprendre le jeu, surtout en monocompte. Cette guilde, elle s'appelle NordPVM, et si jamais vous souhaitez être recruté, vous pouvez nous contacter sur le stream ou via nos pseudos, que ce soit Tim Tobias ou Yuk, toutes les infos sont dans la description. Allez, c'est parti pour les combats. Ah, c'était à moi. Ah bah oui mais je me suis fait je suis contre Eric Zemmour, excusez-moi, j'étais trop bizarre, j'avais pas vu que mon tour ne passait pas. J'ai perdu mon T1. Ouais, vous savez, c'est comme si on n'avait pas ligné au final. Qu'est-ce que c'est? Ah non, lui aussi déco. Ah non, bah alors ça va être compliqué hein. Monsieur Zemmour, il est temps. Oui, ok. Il est pas terre, ça c'est une bonne nouvelle, il est feu. On a des résistances, ça c'est bien. Par contre, feu ça débuff, ça c'est pas bien. Ça c'est pas très bien. Ok, on va pouvoir quand même jouer un peu à ce jeu vidéo là. Il est peut-être temps, d'aller. Est-ce que vous pensez qu'il va venir me taper tout de suite? Ah, je pense que oui, et dans ces cas-là, fortification, faut pas déconner. Le truc c'est que là, je sais pas ce qu'il va nous faire un peu lui peur. Je suis une petit peu perdu. Parce qu'il a quand même, enfin c'est feu, ce qui est intéressant c'est que ça tape pas très loin. Enfin il y a le lance-flamme, effectivement, mais le lance-flamme c'est pas ouf. Donc là il doit hésiter à approcher, mais s'il approche il a 7% neutre. Oh là là, on va en mettre, genre Zemmour va prendre cher. Hein. Ça va être un très bon titre de vidéo. On met la max à Zemmour. Alors, c'est parti hein, pour la max. Petit max ketchup moutarde. Pouah! Oh là là, moins tôt, 2300. J'aurais pu encore augmenter avec une maîtrise, mais vous savez, vous sachez que ici, on essaie de bien jouer, d'accord? Allez, obtiens un petit moins de. Non mais. Alors voilà, voilà. Tu me tapes, tu finis à moins 3000 contre un mur, ta clé. Voilà, c'est le résultat. Voilà, c'est le résultat qui compte, d'accord? Mais voilà, il faut arrêter monsieur. Mets-toi du shield, vas-y, on attend que ça. Tu peux, pas de problème. Et donc je peux te tuer sur 5 générations. J'ai pas TP encore, c'est ça la blague. Ah non, là c'est terminé, hein. C'est la fin des haricots. Hein. C'est quoi cette game? Waouh. Bah, on a mis la max à Eric Zemmour, hein. Félicitations. Hein. Allez hop, tiens, ça dégage, moins 1472. Merci à tous, 4 tours, 2 minutes 52, mais j'ai AFK le premier tour, donc plutôt 2 minutes de game. C'est pour toi, Tinouche. Merci beaucoup. Et voilà, on est contre Détonation, et il a 0. Bon, il est terre par contre, hein, vous voyez, donc on va se prendre très cher aussi. Alors là, c'est 0 de Rési versus 0 de Rési. Mais c'est la première fois qu'on tombe sur quelqu'un qui a vraiment 0 neutre. Il y a vraiment moyen qu'il se prenne là des coups qui ne vont pas lui plaire. Et moins que la vie soit belle de notre côté. Si on avance de 6, on va faire 2, 4, 6. Et ensuite, on va avoir téléglyphe. Non, attends. 2, 4, 6. 2, 4. Il faudrait qu'on avance un peu. Parce que ça vous tente pas de pavois. Et genre... on va se faire frapper par sa méga bombe. Mais je pense que c'est une bonne chose d'excursion tout de suite. Parce que là, sinon, on s'en sortira pas. Je vais mettre un petit retour du bâton. Et une fortif. Je sais que c'est pas ouf, mais j'ai envie de taper le monsieur en fait. On sait qu'il est terre, donc c'est cette bombe là qui nous fait peur. Celle-là, on s'en fout. Et la méga bombe, pareil, elle va nous taper, mais vu qu'on fortif, c'est pas grave, on s'en fout aussi. Il peut pas nous débuff à cette distance, donc c'est bien. Ok, plombage, pourquoi pas.
Il veut vraiment booster ses bombes. Hein. Après, je sais pas s'il aura le temps de jouer avec. Hein. Je sais pas s'il se rend compte des dégâts qu'on peut lui mettre dans la tronche, là. Je préfère pas être du côté de cette bombe-là. Si je me mets ici, le problème, c'est que voilà, il a de quoi nous faire exploser la tronche. Il vaut qu'on tue cette bombe, du coup. Bah ouais. Ça fait chier, mais au moins, on se booste dessus. Au moins, côté positif des choses. On a le temps, hein. On est pas pressé, en vrai, par le temps. Autant tuer sa sismo, et on peut même avancer et lui mettre un sacré coup sur celle-là. En 879, je crois que même en crit, on la tue avec le village protecteur. Même si c'est peut-être pas le but, non. Je sais pas ce qui est intéressant. Là, on peut le toucher ici en tapant. Parce que ça vaut le coup. On lui met pas d'ébène. Écoutez, je mets un petit glyph protecteur. Si on tue, c'est trop bien. On l'a pas tué, c'est dommage. Tant pis. Il y a point de nous debuff. Ouais, c'était peut-être pas très intelligent. On aurait dû juste rester de notre côté. Là, vous voyez, on prend quand même très cher. Après, là... Non, toujours pas. Il nous manque un PM. Il nous manque un PM, toujours. Ok, bah c'est parti. Hein. Après, attendez, il a pas de... Pouah, 2006. Attends, qu'on a même pas mis la glyphe fulminante. What the fuck. Bah écoutez, c'est parti pour un petit coup de cac, hein. Moins 2300. Et un petit glyphe protecteur, hein, moins 700. Hein. Je suis désolé, mais il a pas de rési. Alors, ça monte à 3000, hein, les dégâts. On n'aura pas eu le temps de les mettre... J'aurais pu fulminant pour le fun, mais je pense que... Il faut quand même respecter notre adversaire. C'est un roublard, là, il peut peut-être même nous tuer. Le glyphe protecteur va vraiment réduire de fou les dégâts de ses... De ces bombes. Ok. Tu peux être plusieurs méga bombes, super intéressant ça. Si on se bastion et qu'on libère sa bombe, on peut venir en diago pour le buter en fait. Et je crois que là c'est la fin d'Arico pour monsieur. Oh, quoique je tape pas très fort là. 500. On peut se mettre là, hein. 500, ah c'est peu. Je pense que c'est ce qui tape le plus fort quand même. J'aurais dû faire l'inverse, je suis un débile. Ah, 161, il est mort je crois. Ah c'est bon, c'est gagné. Ouf. C'était pas si simple. Eh attendez, en plus la bombe a fait avalanche roublard, j'aurais pu mourir dès l'explosion de la bombe. Ah pas mal hein, pas mal tout ça. Non, ça s'est bien passé franchement. Même si il est moins 2400, j'aurais préféré mettre le moins 3000 j'avoue, mais ça aurait été du hint parce que comme vous pouvez le voir, souvent les joueurs jouent avec beaucoup de dégâts et au final ils ne mettent pas de rési. Et là c'était le cas. Sauf que... voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est très bon. Hein ? Salut ! Oh ! Un héliotrope ! Oh là, salut YouTube, c'est un héliotrope. Encore une fois, 12% d'instance neutre, mais c'est le plaisir de jouer avec des stuffs qui tapent neutre. Je veux faire ça toute ma vie. Est-ce qu'il n'y a pas des classes qui tapent neutre tout court ? Je veux ça en fait. C'est vraiment un petit plaisir du quotidien. On booste notre ébène quand même, et on booste notre force, et on a envie de taper très fort dans les monsieur. Et on veut taper neutre, hein, vraiment, hein. Genre, sortez une classe qui tape neutre. C'est trop bien, ils ont jamais de raise. On est contre Monique Ascouillé, sachez que c'est incroyable son pseudo, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'en serais presque triste de lui casser la gueule. Est-ce que TP, on peut l'avoir, là, le monsieur? Si je TP là, 2, 4... R. Écoutez... Madame Ferrari, 54% des Français, qu'est-ce que je peux faire là? On a un pavois, on avance. Mais si j'avance, j'ai pas la ligne de vue. Oh, c'est pas facile tout ça. Hein. Non, bah écoutez, c'est le tour encore du... Alors, on se prépare. Je me prépare, excusez-moi, Je suis mauvais en prise de décision, mais là non merci quoi. Genre c'était soit me faire casser la gueule, soit me faire casser la gueule. Non merci. Même TP attraction naturelle, c'était naze. Moi je veux mettre un petit fulmi coup de cac là. Je veux coup de caquer. Je veux lui mettre très cher.
Moi, je suis pas là pour passer tous mes points d'action à venir le taper. Bon, il nous a trouvé, hein, par contre. Hein. C'est pour ça qu'on s'est full boosté. On espère qu'il est pas de terre, mais je crois qu'il est... Ouais, il est de terre. Non, bah non, mais alors me débuffe pas les boosts aussi. Malheureux. Voilà, hein, là maintenant, il est temps de lui dire... Oh non! Bah, il est temps de lui mettre un aveu. Je suis désolé, je pourrais pas lui mettre un gros coup de cac. Hein. On mettra donc uniquement, du moins, 1065 no crit. Je suis vraiment navré. Sachez que je m'excuse auprès de toute la commu. Et de l'univers entier. Parce que là, faut pas déconner. Hein. Non, arrête, ne t'en va pas. Non. Arrête. Arreux. Vas-y. Ça fonctionne pas ce qu'il a fait. J'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire. Apparemment, tout le monde dit qu'il est nul. Mais sachez que moi, je trouve personne de nul. Tout le monde est beau. Par contre, c'est que je le touche jamais, là, le monsieur. Je peux jamais taper. Je suis puni tout le temps, là. Attendez. On peut pas mettre une carotte. On a pas... Bon, Michel. Non, tu vas taper. Non, alors, si tu tues le pavois, je te jure, je suis pas content. Hein. Dégage. Non, ça marche pas. Non, mais il va pas le faire. Ça, je croive. Grâce à ma croivance, ça passera, d'accord? Je te déteste, je te hais. Tu es la honte de l'e-sport. L'e-sport, c'est une honte. Et tu es cette honte. Sache-le. Tu es cette honte, là. Tu me fais honte, Chafferfu, de mort. J'avais besoin de toi juste pour l'excursion, là. Pourquoi tu me casses la tronche comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait, en fait? Je t'ai rien fait. Bah oui, bien sûr, je vais me faire casser la gueule. J'ai mal. Après, lui, il va avoir mal aussi, hein. Ouais, le bon côté des choses. Petite attraction, là. Et un petit coup de cac. Après, là, on est plus du tout boosté. Il nous a vraiment tout retiré, quoi. On lui met du moins 1300. Oh là là. Oh là là. Non. Non, alors. Bastion, où est-ce qu'on met un bouclier FK? Moi, je pars sur un petit bastion. Hein. On a la TP au prochain tour. Autant se faire plaisir, on le tue peut-être. Hein. Autant qu'il nous embête pas. En plus, la chauffeur, il se met en centre de map, parce que c'est vraiment le bro. Là, c'est le portail 1, donc franchement, ça va. Là, il peut nous avoir. Et le truc, c'est qu'il est encore le bout de la terre. Oh là là. Ouais, il peut nous debuff, hein. Bastion, c'est chiant contre les éleuteurs. Je viens de me rendre compte qu'il porte bien son pseudo, le monsieur. Non, non, attends, si c'est ça. Si, si, ça marche comme ça. Là, si je TP, il me reste 6. Je peux taper deux fois et avec l'ébène, il est sûrement décédé. Je vais me mettre par ici parce que c'est ce qui l'embête le plus. Glyph protecteur, c'est ce qui tape le plus. Et aveuglement, c'est ce qui... Donc plutôt torpeur. Ouais, plutôt torpeur et glyph protecteur. Et là... Là, c'est gagné. Merci à tous. C'est parti. Yes. Ah là 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 là... Mais on gagne trop, c'est trop simple, regardez, on a 7 sur 8. C'est trop simple ce jeu vidéo, alors que j'ai 0 de res. Contre des mecs qui tapent pour de l'élément, ça n'a aucun sens. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le mot box dans les commentaires, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.